Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une affaire qui m'intrigue depuis quelque temps, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, et il s'agit de l'affaire de Pierre Palmade. Donc nous avons tous entendu parler de l'accident tragique qui a été causé par celui-ci et pour lequel une instruction est en cours. Donc nous allons essayer d'en savoir plus sur les dessous de cette affaire et ce qui a été caché médiatiquement au sujet des fichiers que cet acteur aurait eu en sa possession et puis de la compagnie qu'il aurait eu chez lui le soir de l'accident, puisqu'on nous a parlé potentiellement de personnes qui auraient été influentes ou connues. Donc on va voir ce que cache Pierrot, on va dire, pour ne pas avoir de problème pour le moment. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous proposer un tirage avec le jeu de mots, puisque ce jeu est relativement parlant. Et puis nous le compléterons avec ce jeu de coq que j'aime tant, qui nous parle des angoisses, des relations un peu stressantes, dont je pense que Monsieur Palmade est victime aujourd'hui. La première carte qui vient nous parler est la carte de la confusion. Allez, affaire cachée derrière la personnalité de ce monsieur. C'est vrai que cette histoire a été médiatique et choquante de par le fait que cet homme est connu. Malheureusement, ces accidents arrivent très fréquemment. Ça aura au moins permis de faire la lumière sur l'addiction et les conséquences dramatiques que peuvent avoir les prises de stupéfiants de type farine et autres produits d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup jugé la famille, les amis de Pierre, on a beaucoup parlé autour de lui, de son entourage, qui avait fait quoi, qui n'aurait pas été assez présent pour lui. Je pense qu'on n'est personne pour juger et qu'une personne qui est dans l'addiction, de toute façon, si elle n'a pas envie de s'en sortir, elle ne s'en sort pas. Donc la famille n'est pas plus responsable que les amis. Malheureusement, Pierre a agi tout seul sans avoir besoin de demander l'approbation de ses proches. J'ai trouvé l'acharnement sur Muriel Robin, Michel Larocque, la mère et la sœur de Pierre, très déplacés dans cette affaire, puisqu'ils souffrent eux aussi de le voir dans un état pareil. Et puis d'être capable de faire des horreurs ainsi. On nous parle vraiment de lui, hein. On nous parle de sa personnalité, on nous parle de qui il est vraiment. Donc c'est vrai que c'est un peu un fanfaron. Nous avons face à nous un homme qui, malgré qu'il avance en âge, même s'il n'est pas âgé, fait preuve d'une grande immaturité et fait preuve de visiblement peu de remise en question par rapport à sa consommation, puisque malheureusement nous l'avons vu dans un état un peu chaotique récemment en sortie de boîte de nuit. La carte de la sagesse. Et je poserai la question plus précisément par la suite pour les réseaux qui auraient pu être évoqués concernant des enfants. Les habitudes. Je vais tirer une deuxième rangée de cartes pour être plus précise sur le personnage au maximum selon les informations qu'on voudra bien me donner. Donc Pierrot. J'ai vu une chaîne qui disait Pierrot le Palmé, je crois. Ça m'a fait rire. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'arrive plus à me rappeler du nom de la chaîne. Je crois que c'est Phil Voyance. Si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai la carte faux qui vient de sortir. Ces cartes parlent, mais c'est vraiment l'interprétation qu'on va en faire qui fera la différence. Hein. C'est sûr qu'on peut tous avoir ce jeu et puis essayer d'y voir plus clair. Donc là, on a la carte de la stupidité qui vient à moi.
Pourtant, je pense pas que cet homme soit particulièrement stupide, hein. Je pense juste qu'il est très malade. Caché. Donc, c'est vrai qu'il se cachait pas du tout avant, hein. Maintenant, je pense qu'il doit espérer arriver au moins à masquer son addiction. Visiblement, il n'y arrive pas du tout, puisqu'on l'a vu, je le répète, dans une boîte. Bon, ben, il a le droit, visiblement. Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas, dans un état bien alcoolisé au minimum. Et c'est triste pour lui, en fait, surtout, puisqu'on se rend compte que malgré l'horreur de l'accident, ben, il n'y a pas de recette miracle. Le produit reste plus fort. J'ai les dettes qui arrivent. Là aussi, on sait qu'il a un train de vie qui ne correspond plus du tout à ses rentrées d'argent et qui dépensait, a priori, environ 5 000 euros de produits mensuellement. Donc là, on a la carte du chef. Cette carte m'inquiète un peu, compte tenu des informations qu'on a eues en parallèle de cette affaire. Je vais prendre une dernière carte pour la coupe, en pensant donc à Pierre. Oui, j'ai la carte de l'homme qui ressort, donc on connaît tous son problème identitaire vis-à-vis de ses orientations. Il a beaucoup de mal à s'assumer et c'est vrai qu'il pendant très longtemps, il a voulu se faire passer pour une personne, en se mariant avec Véronique Sanson, une personne hétérosexuelle. Et on sait que sa préférence reste quand même pour les hommes. Donc je vais recouvrir cette série de mots qui est déjà quand même assez parlante, je trouve, vis-à-vis de sa personnalité. On voit vraiment que c'est un chaos dans sa tête, donc avec la carte de la confusion et de l'apparence, on le décrit vraiment, on est vraiment proche de ce tempérament, puisqu'il a essayé de sauver la face des années avec son sourire de façade, ses boutades, sa façon de dédramatiser son addiction sur plusieurs plateaux télé, pardon. Voilà, ses amis qui en parlaient un peu volontiers également. Allez, pour Pierre, qu'est-ce qu'on peut me donner comme indication complémentaire? La confusion qui arrive dans l'explosion presque nucléaire de la chose. Donc là, il y a eu vraiment un raz-de-marée pour lui, il y a eu vraiment quelque chose de, malgré qu'il ne l'ait sûrement pas verbalisé aux bonnes personnes, hein, puisque je crois qu'il n'a pas présenté d'excuses, pardon, aux personnes qu'il a blessées dans cet accident. Si tant est que des excuses puissent être acceptées, mais le minimum aurait été peut-être de faire preuve d'un peu plus d'humilité peut-être, ou de réalisme, même si les mots ne suffiront jamais. Présenter ses excuses aurait pu peut-être au moins montrer un intérêt quelconque à la famille des victimes. Et c'est vrai que ça n'a été fait que par le biais de la mère et de la sœur de Pierre Palmade. Qui se sont confondus en excuses en son nom. Ah, vraiment, les accidents de ce type relèvent toujours de quelque chose vraiment de dramatique. Donc là, on a la fameuse carte qui représente une statue face à une statue brisée. Et cette carte arrive pour couvrir la carte de l'apparence. On est face donc vraiment à quelqu'un qui voulait jouer la comédie, qui se montrait solide et qui en fait était brisé. J'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les garder pour plus tard. Alors ici, se vanter et nous avons une personne qui est assise dans une barque. Avec quelqu'un qui rame à l'avant, ça peut nous faire penser aux scènes qu'on peut voir sur Venise parfois. On voit un paysage au loin avec une montagne et une cité. Ici, donc, se vanter, on pourrait nous dire qu'on nous a menés en bateau, que cette personne, que donc Monsieur Palmade aurait pensé pouvoir se vanter encore de s'en sortir, de mener la barque et d'être celui qui est dans le contrôle et dans la. Dans le contrôle, celui qui oriente le discours aussi d'ailleurs. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui a du mal à se remettre en cause, qui a du mal à accepter la vérité. On voit aussi que les deux personnages, bon, ben, sont vraiment dos à dos,
Donc il a vraiment, malgré son ego et sa volonté de cacher les choses, il blesse autour de lui et il ne se fait pas d'amis du tout. Alors, cette carte-ci semble vouloir venir et nous avons ici la carte d'une fenêtre brisée, ouverte sur une belle nature verdoyante avec une colline. Nous pouvons voir donc le ciel est bleu et il n'y a pas de problème extérieur. Le problème était pour sortir ou pour rentrer. La fenêtre est ouverte sur l'extérieur. Donc là, ça recouvre la carte de la sagesse, de quelqu'un de sage, et on voit que ce n'est plus le cas, qu'il y a eu une espèce de sortie de la personnalité de Pierre qui l'a rendu très en colère. Il y a eu quelque chose qui l'a fait sortir de ses gonds, tout en brisant les tabous, en brisant aussi peut-être tout son entourage, son cadre, voilà. On a le cadre, mais on n'a plus du tout les traces d'une fenêtre. Du verre, donc on voit que son entourage peut être stable, plein de sagesse, mais que lui est brisé. Ici, j'ai une personne qui prend la parole en public, qui vient recouvrir la carte de l'habitude. On voit donc ici que cet acteur avait pour habitude de prendre parole, évidemment, mais aussi de convaincre son monde et d'être l'orateur. On voit que tout le monde est en cercle autour de la personne qui se produit. Et ça, c'était quelque chose qui existait chez lui sans doute depuis très longtemps, d'être le centre de l'intérêt et le centre du monde. On peut imaginer aussi un nombril, une forme de nombril ici. Donc il a eu cette habitude-là d'être vraiment le centre du monde. Alors sur le faux, cette carte-ci ressort. Cette carte qui représente donc des hommes d'affaires, des hommes importants, des hommes bien vêtus en tout cas, avec des cravates. On pourrait imaginer aussi que ce sont simplement des commerciaux ou en tout cas des gens qui ont décidé de se vêtir de manière professionnelle peut-être. Et on voit qu'on nous a menti et que ces personnes sont très heureuses d'arriver à gruger le monde autour d'eux. Donc probablement que dans cette affaire, il y a eu de l'aide, hein, puisqu'on voit ici trois personnages qui interviennent et on peut se demander quand même si cet acteur n'aurait pas eu du soutien de la part de personnes qui auraient pu, pendant le laps de temps qu'a duré la fuite des personnes qui étaient avec lui dans la voiture, cacher des indices. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur la stupidité par rapport à cet acteur célèbre français? Alors bon, moi j'ai bien une petite idée de ce qui était stupide, mais ça c'est mon mental qui parle et je ne veux pas du tout le laisser parler. En termes de ressenti, pour le coup, je me fie à ce que j'envisage, on va dire, comme suite pour cette affaire, mais ici je ne vous en ferai pas part parce qu'il y a une enquête en cours. Et n'en déplaise à certains dans les commentaires, je ne suis pas là pour faire la justice à la place des juges. Voilà, c'est pas moi qui suis rémunérée pour ça, c'est pas mon travail et je n'ai pas fait d'études pour ça. Donc voilà ce qui serait stupide ici. On voit des personnes qui sont tenues comme des pantins. Donc on nous montre des marionnettes. Donc ces personnes qui ont la victoire par rapport à des mensonges, nous manipulent comme des imbéciles, si je peux me permettre. J'en fais partie. Bien entendu, ça s'adresse à, je pense, on est tellement soumis aussi à des vérités qui nous sont cachées, d'autres qu'on découvre mais qu'on nous fait passer pour fausses. C'est vrai que c'est compliqué de discerner aujourd'hui ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'essaye par ces petits tirages d'apporter un éclairage tout simplement par rapport justement à ces mystères qui me paraissent toujours préjudiciable et pour les familles et pour les victimes elles-mêmes qui n'ont jamais droit à un peu de décence et qui sont souvent traînées dans la boue comme si c'était elles les coupables pour au final être oubliées. Quand je vois des affaires aussi où certains policiers et gendarmes ont brûlé des preuves, c'est terrible. J'écoutais une affaire ce matin, notamment celle de Maëlys, où on n'a jamais su ce qui s'était passé lors de l'incendie de la gendarmerie qui contenait l'ensemble des preuves. Là aussi, je ferai une enquête sur Nordal-Lelandais. Je suis très intéressée par son entourage.
Alors, caché. On nous a caché. On nous a caché. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, on nous montre une situation chaotique avec des personnes qui semblent affolées, qui semblent souffrir. Une se tient la tête. Les autres ont les bras relevés. Donc, on nous cache certainement une douleur au fond de toute cette histoire. Et on nous cache aussi un tourment. On pourrait voir que ces personnes ici, autour de ce personnage, donc ces personnes-là, pourraient représenter diverses personnalités. On pourrait nous apprendre ici que c'est une personne qui pourrait avoir des troubles psychiatriques, dont on ne nous parle pas. Ce serait pas étonnant, effectivement, la prise de substances prolongée peut déclencher et déclenche très souvent des troubles psychiatriques, alors temporaires ou non. Je rappelle que c'est très dangereux. Et que si vous n'avez jamais commencé, il est sage de rester sur cette position, quels que soient les encombres que vous rencontrerez dans la vie, ces produits-là ne vous apporteront jamais de bonheur, que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue évidemment. Et pour certains médicaments, attention également. Alors, au niveau de la dette, on nous représente un homme avec un enfant, ce qui n'est absolument pas rassurant. Ils sont seuls dans une situation de campagne. L'enfant est en équilibre sur une poutre et l'adulte est assis. On pourrait penser au départ qu'il s'agit ici d'une dette d'ordre moral envers le père, puisque Pierre Palmade a eu de gros problèmes relationnels avec son père, je crois, avant qu'il ne décède. Ou alors il était très attaché à son père, je ne sais plus, mais il y avait une relation, quelque chose au père. Pour moi ici, on pourrait aussi nous alerter sur une dette financière qui serait due à des enfants étrangers, puisque la représentation ici nous montre quelqu'un à la peau métissée. Donc voilà, des personnes qui seraient en lien avec l'étranger, pourquoi pas la Thaïlande, ça ressemblerait à un paysage thaïlandais. On pourrait identifier du bambou en fait. Alors les chefs. J'ai deux femmes qui dansent. Deux femmes qui sont réjouies autour de Pierre Palmade. Pourquoi? On va essayer de savoir parce que là, ça ne me parle absolument pas. Bien que je sache qu'il ait des amis très haut placés. Visiblement une certaine Mimi, dont je. Voilà, Mimi la vendeuse, on va dire. Pour ceux qui comprennent, tant mieux. Et pour les autres, c'est délicat de parler de cette dame qui a une puissance hors norme dans les médias et des connexions dans toute la pègre. Je vais éviter donc d'en parler. Là, on nous montre l'homme. Donc sur la carte de l'homme, j'ai cette carte qui est ressortie. On voit ici une femme qui semble veiller quelqu'un, quelque chose. On pourrait penser qu'il s'agit de la mort. Donc on peut nous représenter ici quelque part l'âme de cette personne qui s'en va. On peut penser au père de Pierre, puisqu'il est décédé. Je vais recouvrir donc chef et homme. Pour Pierre. C'est vrai que ces spectacles, moi je les trouvais vraiment pas mal quoi en plus. Et je trouvais même ces émissions plutôt sympas sur TF1. On a du mal à s'imaginer un homme comme lui commettre des horreurs pareilles. Et c'est vrai que bon ben on verra, mais pour le moment ce qui l'entoure comme rumeur est vraiment vraiment sombre. Au niveau du chef, donc par-dessus les deux dames qui dansent, nous avons une petite fille qui fait un câlin à un chien qui pourrait ressembler à un berger allemand ou à un loup. On peut ici nous faire preuve de tendresse et de brutalité à la fois, de sauvagerie. Ça peut être, on peut nous parler en plus par la représentation féminine d'une personne qui pourrait quand même être solitaire. On parle du loup solitaire. On peut aussi dire une meute de loups, hein, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, vu qu'il s'agit du chef, le mâle alpha chez le loup. On pourrait nous parler vraiment d'un tempérament dominant qui dominerait sur. Bon, là il y a une petite fille hein, qui est représentée, très franchement, je ne peux pas dire autre chose. Et peut-être qu'il y a des femmes qui seraient mêlées à tout ça. Au niveau de l'homme, donc l'homme ici représenté, pour moi, donc ça me porte des éclaircissements sur cette carte. Pour moi, on voit vraiment qu'il n'a plus d'âme, hein, il n'est plus là. Monsieur Pierre n'est plus parmi nous et il n'est plus que l'ombre de lui-même. On le voit méditatif, seul face à la mer et à mon avis fortement déprimé. Ouais, il est ébloui par le soleil et en fait ça l'empêche de voir le paysage face à lui.
Donc on voit qu'il est dans une situation dans laquelle il est encore très ébloui par les produits et le paradis imaginaire que ça peut produire, tant et si bien qu'il ne voit pas la réalité qui se joue face à lui. D'ailleurs, on peut nous faire part ici, puisque le cheval est également un moyen de transport, le produit l'a aveuglé et il n'a pas vu ce qui s'est passé. Ces cartes me parlent vraiment parce que c'est vrai qu'en général, sur les situations de stress et d'angoisse, elles servent beaucoup. Alors avec l'interprétation qu'on peut en faire chacun, bien entendu, c'est vrai que c'est très important. Et oui, là, on nous reparle de la relation à la maman. Hein, donc, ouais, il a perdu beaucoup dans cette histoire. Les deux cartes qui s'étaient échappées du jeu préalablement comportaient donc la carte ici qui indique un bagage. Comment on dit? Oh ben je sais plus, un baluchon, pardon. Un baluchon, voilà, avec des objets divers et variés à l'intérieur. On peut voir qu'il y a une arme à feu, mais on peut aussi voir une loupe, on peut voir un peigne, on peut voir une flûte. Donc on se rapproche en fait du. On voit une pomme, je pense qu'il s'agit plutôt d'ornements pour des enfants, des jeux en fait d'enfants. Donc ici, des jeux d'enfants, enfants, enfants et enfants. Et malheureusement, le prédateur qui attaque. On va donc passer à la question qui est déjà, semble-t-il, bien abordée dans ce premier tirage qui concerne potentiellement des activités je sais pas trop comment dire, ouais, des activités répréhensibles par la loi, mettant en œuvre des mineurs et des petits-enfants. Puisque Monsieur Pierre s'est vanté, semble-t-il, auprès de certaines personnes, si c'est vrai, rien n'est avéré, de pouvoir avoir à disposition, quand il le souhaitait, un petit-enfant de 7 ans notamment. Alors si c'est vrai, bien entendu, c'est révoltant. Si c'est pas vrai, ça l'est tout autant parce que dire des horreurs pareilles sur des personnes qui sont déjà dans une situation compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est juste les envoyer tout de suite à la case je saute d'un pont. Et je trouve ça mais lamentable parce que du coup, on ne peut pas se permettre de gâcher la vie de quelqu'un, d'autant plus gratuitement comme ça, on n'est pas les juges, on n'en sait rien. Pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, ce qui est possible, c'est que cette personne ait eu de l'aide et du soutien. Et moi, ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment essayer de trouver avec vous et voir si y a eu du soutien d'une personne extérieure qui aurait caché des choses au sujet de cet accident. Alors, je vais changer de jeu parce que du coup, pour certains, c'est important que je reste pas toujours sur le même. Et moi, ça me fait pas de mal non plus. Effectivement, ça permet de ne pas se lasser. Je crois, bonne nouvelle, que j'ai reçu les nouveaux jeux que j'avais commandés, donc ça me permettra de m'entraîner avant de vous proposer des tirages avec. Je préfère m'entraîner un peu avant et puis essayer de les comprendre, voir si j'en suis satisfaite aussi. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à vous les montrer, à les présenter un petit peu pour ceux que ça intéresse. Et puis à en commander d'autres, c'était un peu une commande test pour moi puisque je connais pas ce site, donc je vais découvrir et la qualité des cartes et ma satisfaction ou non. Par rapport au délai, j'ai déjà une idée. Par rapport au prix, j'ai déjà une idée aussi. Il manque plus que l'utilisation et la qualité des cartes. Alors, je vais utiliser mon jeu classique de 52 cartes pour prolonger ce tirage concernant Pierre et surtout concernant le soutien qu'il aurait pu avoir. Je suis en train d'hésiter sur la façon de tirer. Je vais vous proposer peut-être. Alors, j'hésitais avec un tirage en croix en 5 cartes. La dernière fois que je l'ai fait, c'était plutôt parlant également. Je ne sais pas si dans le cas précis, je ne vais pas essayer de faire un jeu un peu plus long. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop que mes vidéos soient un peu longues. J'essaye vraiment toujours de faire plus vite, mais il y a trop de choses à dire et encore, je vous assure que je me contiens pour que ça ne dépasse pas trop 1 heure. Mais c'est toujours difficile de s'arrêter quand on commence à avoir des cartes qui viennent bien et c'est vrai que c'est pénible, mais bon, il faut savoir, tout a une fin et il faut savoir être raisonnable. Donc je vais vous proposer ce tirage qu'on appelle le tirage de la roue du destin, qui est un tirage qui s'effectue en 13 cartes.
Et ces cartes, en fait, vont aller de 5 en 5. Donc, on verra un peu comment les associer au fur et à mesure de celles qui vont être tirées les unes avec les autres. Donc, 13 cartes. Là, je ne vais pas attendre que ce soit celle qui tombe. Bon, bah, celle-ci, elle n'est pas dans le bon sens. Je la garde. Je vais tout de suite me concentrer pour choisir. Donc, Pierre Palmade. Quel soutien? Je les remettrai plus haut après. Je crois que si je dis pas de bêtises, on a Madame Borne qui a évoqué aujourd'hui une modification de la loi par rapport aux accidents de voiture du style de ceux de Pierre Palmade, et je vous mettrai une incrustation de vidéo qui vient d'un discours. Alors, ça va vous paraître bizarre, là je parlais plus parce que je capte des informations où on me dit de faire attention. Alors, on ne me dit pas à moi hein, expressément de faire attention, on me dit de faire attention en règle générale par rapport à ce qu'on nous annonce. On est en train de nous cacher des choses vraiment importantes. Là, je fais la coupe. Ouh là là, c'est la dame de carreau qui ressort au niveau de ma coupe. La dame de carreau, c'est la traître en général. C'est vraiment une femme porteuse de mauvaises nouvelles. Et c'est quelqu'un qui vaut mieux pas avoir dans son entourage. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas positive. Bien sûr, parce qu'elle est arrivée, excusez-moi, à l'envers. Hein. Donc là, on est sous l'influence de quelqu'un de très néfaste. Et je repense à cette fameuse Mimi la vendeuse ou... Mimi tout court, mais qui effectivement peut représenter une femme un peu menaçante. Donc je vais disposer les cartes, j'espère que ça ira. C'est vrai que je suis pas très ravie d'avoir tiré cette carte, je vous le cache pas. Donc, ah mince. Alors, je vais essayer de recadrer mieux, voilà, pour que vous ayez à peu près tout à l'écran. C'est mieux, je vais remonter un peu. Donc, c'est parti. Ici, je vais choisir une carte. Et je vais décaler de 5. Je suis désolée pour les bugs, hein, mais j'ai vraiment des messages un peu particuliers qui me viennent, qui sont un peu déstabilisants, je ne vous le cache pas. Donc, nous avons la dame de pique qui est arrivée ici. On nous parle d'une femme de tête. On nous parle d'une femme qui était plutôt, on va dire, stratège, qui serait très dure en affaires. Très dure en affaires puisqu'elle est complétée par ce 8 de carreau. 8 de carreau qui, lui, nous indique ici, dans ce sens précis de la carte, quelqu'un qui voyage, qui serait une femme d'affaires en lien avec potentiellement de l'immobilier ou des affaires financières très importantes. Ça peut être quelqu'un qui est en lien avec tout ce qui touche au contrat, donc peut-être un agent. Alors, nous avons le 9 qui arrive. Donc là, vous le voyez à l'écran peut-être. Oui, c'est bon. Le 9 de trèfle qui est complété par le 10 de trèfle. Ce qu'on nous apprend donc dans ce sens, puisque le 9 est sorti de manière positive, c'est qu'il y a une amélioration
et une amélioration qui reste au niveau des finances. Donc il va y avoir quelque chose, peut-être qui a été négocié, un arrangement financier pour aider ce monsieur à se sortir d'affaires. On nous apprend avec le 10 de trèfle que ça a vraiment été une espèce de jackpot, quelqu'un qui a vraiment gagné beaucoup d'argent en mettant à profit ses compétences et ses connaissances. Donc nous avons ici le 10 de carreau avec le 10 de cœur. Donc décidément, le 10 de carreau nous indique dans ce sens de la carte une situation liée à l'étranger toujours. Donc on peut nous indiquer forcément des personnes qui sont en lien avec... qui sont en lien de toute façon, puisqu'il s'agit de compléter une carte qui touche à du cœur, aux familles, au foyer. Donc l'étranger avec la famille, on peut nous parler peut-être de ce qui touche à des enfants plus loin, dans certains pays. Et le 10 de cœur, de toute façon, dans ce sens-là, nous indique, pardon, avec le carreau, on est sur un échange professionnel. Donc vous en déduirez ce que vous voudrez, mais derrière cette histoire, le soutien, un des soutiens en tout cas qu'il a pu avoir, viendrait d'une personne en lien avec les enfants à l'étranger. Donc quelqu'un qui aurait tout à perdre si on savait plus de choses. Donc le valet de carreau avec le 7 de pique. Donc le valet de carreau ici est là pour nous prévenir, c'est un messager. Donc un messager qui vient nous indiquer plutôt une personnalité impulsive, quelqu'un qui serait plutôt dans le conflit, quelqu'un qui aurait un tempérament colérique, donc quelqu'un qui ne serait pas commode du tout, qui serait en lien avec cette affaire. Et c'est une personne à qui cette situation a porté préjudice. Le fait qu'on ait parlé comme ça médiatiquement de Pierre l'a vraiment mis dans l'embarras. Le valet de cœur et le 8 de cœur. Donc là, on a une autre association qui, là aussi, est très intéressante puisque ce valet, ici à l'endroit, nous représente une personne plutôt sincère. Une personne qui serait, on va dire, plutôt amoureuse, romantique. Un jeune, bien entendu, plutôt un homme, qui pourrait être représenté comme un adolescent ou un jeune adulte. Donc la mentalité de Pierre Palmade, qui est un peu fleur bleue, un peu comme ça, un peu rêveuse, un petit peu, ouais, un peu incandescente et un peu aussi insouciante, peut ressortir dans cette carte tout à fait. Et le 8 de cœur qui va avec nous indique vraiment que c'est quelqu'un qui trouve sa satisfaction et qui sait prendre ses plaisirs là où il le faut, là où il le veut, en s'étant construit sa propre famille. Donc il n'a pas forcément de barrière en fait. Pour lui, c'est naturel. Le roi de carreau renversé et le 8 de trèfle. On a du carreau, en voulez-vous, donc dans cette partie supérieure du jeu. Ici, le roi est arrivé à l'envers, donc on nous parle d'une personne manipulatrice, quoi qu'il en soit. Une personne manipulatrice et qui serait également très cupide, qui serait intéressée par l'argent. Donc le motif vraiment tourne autour du financier, hein, là-dessus. Je crois qu'on peut vraiment se dire qu'il y a eu une transaction quelconque. Et donc cette personne, c'est vraiment une personnalité qu'on pourrait juger de toxique, quelqu'un qui serait vraiment hypocrite et surtout qui serait sans aucune morale. Donc il y a eu un soutien d'une personne vraiment peu fréquentable dans cette affaire, entre autres, parce que pour moi, il y a un homme et une femme qui sont intervenus, clairement. Voilà. Donc ici, donc cet homme peu fréquentable a apporté son soutien financier et a apporté son soutien, on va dire, amical, oui, également, hein. Ici, on peut nous parler vraiment d'une somme qui aurait été libérée pour soulager les préoccupations de Pierre ou d'une personnalité qui aurait été corrompue pour soulager ses problématiques. Donc on a, et je parle au conditionnel bien entendu, ici l'as de
pique, arrive à l'envers. Donc, ça nous annonce le procès. Alors, je rigolais parce que c'est vrai que ça me surprend pas du tout et à la fois, je trouve ça fascinant à quel point à chaque fois, ben, on me répond et c'est vraiment merci mes guides et merci, merci tout ça. Donc là, on nous parle clairement, et c'est la dernière carte du jeu, de procès et de gros litiges. On nous parle de différends familiales, on nous parle vraiment de choses qui sont désavantageuses pour lui, hein. Je vais mettre une carte par-dessus pour essayer de savoir un peu le domaine où ça va vraiment être compliqué, mais je pense qu'il y aura tous les domaines impactés. Alors, on a encore du pic renversé, donc on est sur le 10 de pic inversé. Donc là, c'est vrai que la tendance, du coup, n'est pas forcément très fameuse pour lui, puisque avec cette carte-là, on vient nous annoncer qu'il y a des secrets en cours, des choses qui se sont faites dans son dos, mais aussi, ça s'est passé, on pourrait assimiler à une situation qui s'est passée de nuit. Donc ça me rappelle un peu l'accident. En tout cas, Pierre, si celui-ci regardait ce tirage, souffre également d'une maladie qui est plus ou moins cachée. En tout cas, alors potentiellement c'est l'addiction hein, pour moi, avec les conséquences que ça peut avoir sur le corps. Mais on lui annonce vraiment qu'il va avoir des problèmes et professionnellement et probablement physiquement également. Sans compter le fait qu'on a vu tout à l'heure que niveau familial, pour lui, tout est perdu, hein. Il y a vraiment une grosse, grosse déception. Ce qui me saute aux yeux aussi ici, c'est le nombre de 10 qui est ressorti. J'ai les 4 10 qui sont sortis dans ce jeu. Et avec ces 4 10, on nous parle d'un changement et d'une transformation. Normalement, c'est plutôt une transformation qui serait censée être positive. Donc, on peut espérer pour lui qu'il se soigne malgré tout. C'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour cette affaire. Je serais tentée de poser des questions concernant les activités obscures autour de tout ça. Il s'agit quand même d'une affaire en cours, donc je ne vais pas oser et je vous prie de m'en excuser. Mais j'espère que les informations que je vous ai partagées aujourd'hui vous auront intéressé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.